Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur ce bon. Franchement, je suis très heureux de vous revoir aujourd'hui. Mais ça, c'est pas une bonne nouvelle. Comme je vous ai dit hier, mes frères et sœurs, c'est chaud. C'est chaud. L'artiste appelé Davido vient de perdre un ami. Un ami très proche de lui, faut moi très proche en même temps, c'est un collaborateur. Et cet homme est décédé à l'hôpital. Ah! Que s'est-il passé? Le monsieur s'appelle Obama DMW. DMW. On dit le mot à l'hôpital, il avait un problème respiratoire. Le truc, c'est que le gars, il a conduit lui-même son engin et il arrivait à l'hôpital et c'est là-bas il est mort. Moi je comprends pas cette affaire-là. Au bon aujourd'hui mourir c'est facile. Au bon aujourd'hui mourir c'est facile. Vraiment je suis grave choqué. Depuis je suis couché, je n'arrive pas à fermer les yeux. Je dis ah. Comme un jeune homme avait plein de vie comme ça, petit parti comme ça, juste comme ça. Comme si de rien n'était. Comme si c'était bonjour, mes frères et sœurs. Comme si c'était bonjour. Eh bien, je suis choqué, je suis choqué, choqué de se choquer, même comme c'est pas possible. Et sur Internet, les gens se posent des questions. Pas des questions comme ça. Comme je vous l'ai dit hier, pour vous annoncer ça. Là, ils se posent la question de savoir, mais pourquoi chaque année, quelqu'un doit mourir autour de Davido? Pourquoi? Les gens cherchent à savoir s'il y a un problème derrière ça. Ce qui est étrange, c'est que j'ai vu une courte vidéo tout à l'heure où j'entendais l'un de ses amis qui disait, mais Obama est malade et il ne dit à personne. Il est malade et il ne dit à personne. Genre, c'est comme le jeune homme cachait une maladie, quoi. Et voici qu'il est mort juste comme ça. Mais ce que j'entends là, vraiment, c'est grave. C'est vraiment grave. Donc, le sport là, ça peut plus aider quelqu'un. Le sport qu'on fait là, ça n'aide plus. Si le sport n'aide plus, c'est que c'est le Saint-Esprit qui va nous aider. Aujourd'hui, pour moi, l'on vit ça devient de plus en plus bizarre. Ça devient de plus en plus bizarre. Nous avons quand même regardé quelques photos de cette personne qui s'appelle Obama. On dit que c'était un très proche collaborateur de David. Regardez, regardez. Non, c'est pas possible. Comment est-ce qu'on peut avoir l'argent et puis ne pas. Non, je ne peux pas comprendre quand même. Hein. Je ne peux pas comprendre. Donc l'argent ne peut pas donner longue vie à quelqu'un. Alors nous, on a cru que ce sont les gens riches qui ont longue vie. Est-ce que ce gars-là peut-il avoir problème d'argent entre nous? Non. C'est un gars de Davido. C'est pas possible. Donc on ne peut pas dire qu'il n'a pas de moyens pour se faire soigner. On a vu aussi Tibi Yeshua. Tibi Yeshua, ah! Est-ce que le gars peut-il avoir pour un d'argent? Mais il est mort juste comme ça. Alors qu'il se prépare à faire ce 48e anniversaire. Qu'est-ce que c'est que ces signes-là? Qu'est-ce que c'est que ces signes? Qu'est-ce que Dieu est en train de nous dire comme ça? Qu'est-ce que Dieu veut nous montrer? Mes frères et sœurs, Dieu veut nous montrer que nous ne sommes rien dans tout ce qui se passe dans ce monde. Nous n'avons pas de mots à dire. N'avons vraiment pas de mots à dire.
C'est lui qui décide de tout. Et c'est lui qui permet certaines choses. Même si souvent aussi ce n'est pas lui qui permet certaines choses aussi. Parce qu'il y a des choses qui arrivent. Ce n'est pas Dieu. Il y a quelque chose de louche derrière. Mais je pense que c'est Dieu. Vous voyez? On ne peut pas tout accorder à Dieu, quoi. Dieu n'y est pour rien de cette affaire. Mais hier, moi-même, j'ai vu. Hier, j'ai vu quelque chose qui m'a amené à croire que vraiment, l'homme est très limité. L'homme est vraiment limité. Hier, je me préparais à faire une nouvelle vidéo pour vous. J'étais chaud. J'étais très chaud. J'étais trop chaud. En même temps, j'étais épuisé. Je voulais faire un truc chap-chap. J'ai rapidement passé l'information. En même temps, je regarde la connexion Internet. Elle est faible. Le débit est faible. Il y a eu pluie quelque part. Donc le réseau est mélangé. Je dis, mais ah, moi je dois travailler là maintenant. Et puis le réseau est mélangé. Je fais comment? Je fais comment? Je fais comment? Non, j'ai dit non, c'est pas possible, je ne peux pas accepter ça. Non. Comme je suis aussi informaticien, j'ai mis tous mes moyens à la disposition afin que la connexion puisse bien passer. Mais ça ne passait pas toujours. Ça ne passait pas toujours. À un moment donné, je me suis dit, vraiment, là, là, ça devient compliqué. Il faut que j'attende un peu. Jean, je laisse maintenant le Dieu du temps agir. Voici comment j'ai lâché prise. Je me suis assis, mais j'avais encore la tête dessus parce que moi, je n'abandonne jamais. Ouais, jamais. Et j'étais quand même là. Quand Dieu lui-même a décidé maintenant de débloquer la situation et que tout s'est rétabli. C'est là qu'il a dit, ah, malgré le pouvoir de l'homme ne peut rien faire. Quelle que soit votre connaissance, hein, quel que soit votre degré de connaissance, vous êtes limité. C'est ça l'homme. C'est ça l'homme. Regardez, le jeune homme. Vraiment. Vraiment. Comme c'est un musulman, je pense qu'ils ne vont pas tarder à l'enterrer. C'est comme ça chez eux. Ça, c'est clair. Je vois déjà quelques vidéos circuler où on voit des gens aller avec des cortèges là-bas à l'enterrement. Les gens se disent, hey, Obama, là où ils sont en train de prendre son cercueil pour mettre le cercueil dans le tout. Ils se disent, hey, Obama, hey, c'est Obama. Jean-Louis s'appelle Obama. Donc ils disent, hey, c'est Obama, hey, c'est Obama. Ils sont pas mal. Ils sont tous dans la confusion. Ils sont tous dépassés. Ils ne peuvent pas croire que le gars avec qui ils ont fait le show hier, c'est lui, ils sont en train de mettre le trou aujourd'hui. Est-ce que vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Ils ont fait le show hier. Ils se sont amusés bien hier, entre amis, entre potes. Et aujourd'hui, on a tel les gars. Non, c'est pas possible. Moi, je remets ma vie entre les mains de Dieu. Honnêtement, je remets ma vie entre les mains de Dieu. Hein, parce que là, ça me dépasse. Je remets ma vie entre les mains de Dieu. Seigneur, fauche son pot. Permets que j'accomplisse tout ce que je dois accomplir avant d'aller te dire bonjour. Juste te dire bonjour, hein. C'est pas pour rester là-bas. Il y a du boulot, quoi, à faire. Mais que seule ta volonté se fasse. Ouais. Que c'est ta volonté s'efface. Vous voyez, non? Vous voyez? Où est-il? C'est lui qui est ici. C'est lui qui est ici. Vraiment. Mes condoléances à sa famille. Mes condoléances de ouf, même à sa famille. Vraiment, c'est. Je ne sais pas comment vous l'expliquer, comment vous le dire. Mais cette affaire-là me touche quand même. Ça me touche beaucoup. Le gars, il est jeune. Il n'a même pas 50 ans. Quand vous regardez, vous devez le connaître.
Il n'a pas 50 ans. Je ne comprends pas. Comment est-ce que le gars peut-il avoir un problème respiratoire? Mes frères et sœurs, j'aimerais aussi vous dire un truc. Faites attention à ce que vous consommez. Faites attention à ce que vous buvez. L'alcool, vous buvez par-ci et par-là dans les bars, ainsi de suite, là. La cigarette, vous fumez souvent. Les trucs que vous consommez, vous avalez. Ça vous enlève des années de vos vies, je vous le dis. Ça vous enlève des années de vos vies. Ça vous enlève des années de vos vies. Il faut que quelqu'un vous parle. Oh, faut que quelqu'un vous parle. Tout ce que vous consommez, la cigarette, l'alcool, la drogue, ça vous enlève les années de vos vies, mais vous ne le savez pas. C'est un bon matin comme ça, boum, vous êtes parti. Personne ne sait. On dit, mais ah, ça c'est un pote. Ça c'est un gars. On était avec lui ici, il y a là, il y a là, non? Mais comment c'est possible qu'aujourd'hui soit mort? Faites attention, mes frères. Faites vraiment attention. N'ayez pas des amis qui vous conduisent dans l'erreur. Des amis qui vous encouragent dans le faux. Vraiment, soyez sains dans votre peau. Soyez vraiment sains. Dieu nous a créés naturels, soyons naturels. Le corps que nous avons là, c'est naturel, soyons naturels, mes frères. Est-ce que vous comprenez? Les filles de Dieu passent leur temps à se pomader, à se dépigmenter. Vous réduisez vos espérances de vie comme ça. Je vous le dis. Quand la mort frappe, les gens cherchent à savoir mais qu'est-ce qui s'est passé, qui l'a tué, qui a fait ça. C'est possible, mais faut pas négliger ce niveau-là aussi. Il faut vraiment faire attention, mes frères. Faut vraiment faire attention. Vraiment, vraiment faire attention. C'est triste, c'est une triste nouvelle. Je ne peux pas vraiment accepter ça. Moi, je ne peux pas accepter ça. Je ne peux pas, je n'arrive pas à accepter ça. Je n'arrive pas, je n'y arrive pas. Je n'y arrive pas.